partout à travers le monde, regardez Télécaramel en HD et écoutez Radio Caramel en haute qualité sonore sur caramelhaïti.net ou téléchargez sur Play Store l'application Radio Télécaramel. Radio Caramel est aussi disponible sur TuneIn. C'est mon café pour lui. Si vous aimez, si vous capables de grandir, nous avons gros défis. Responsabilité que pas pitié, je dis son café dit. Pas gagné un café à bonjour à chacun de vous, bienvenue sur Caramel. Alors de l'émission Reconstruction, comme annoncé, notre invité pour ce matin, sénateur Jean-Marie Junior Salomon, avec les matins, nous allons regarder l'actualité. Je vais regarder le cabinet ministériel là, et réaction sénateur Salomon. Je vais regarder séance là, et est-ce que je dis une date qui fixé pour séance là déjà, même si nous connaissons que bon gagne un nouveau arrêté qui sorti côté que yo retiré 2-3 ministres, mais yo retourné avec plus fort ministre, même ça qui était gain débat sous yo. Et puis m'a regardé rapport coup des comptes avec sénateur Salomon. Merci tout le monde qui est déjà avec nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean, déjà bonne écoute à tous et à toutes. Sénateur Salomon, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour, Bichara Saint-Jean. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Télécaramel, et particulièrement les fans de l'émission Reconstruction. C'est un plaisir pour moi d'intervenir à l'émission ce matin. Merci infiniment, sénateur Salomon, parce que vous mettez disponible pour nous matin. Hein. Monsieur Certain, vous regardez le cabinet ministériel là et que vous posez tout un ensemble de questions. Qui première lecture, sénateur Salomon, par rapport justement à ce cabinet? Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Ça veut dire qui ça? Vous gagnez un cabinet ministériel revu, corrigé et complété. Mais cependant, nous gagnons les mêmes irritants, c'est-à-dire même problème qui était soulevé, ouais bien dans la séance précédente, c'est même problème ça qui va le soulever au cas où, ouais bien bureau est arrivé fixer en date pour la reprise de la séance qui a été en quelque sorte bloquée. Mm-hmm. Donc quelque part pour mon capitaine de sénateur Salomon, c'est que gagnons un pile chance pour que séance là li est-ce que dit boycotté par rapport justement à cabinet ça. Tout à fait, c'est ça que fait moins d'où les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances, parce que et c'est vrai que la politique est un jeu d'intérêt, mais avant tout c'est un rapport de force. Mm-hmm. Et ouais, je dis hein, ou gagne une minorité par exemple nous capable dit eh bien qui gagne en quelque sorte le dessus sur la grande majorité des sénateurs proches du pouvoir en place. Et c'est là pour que et président République là pas fait même erreur
Parce que, ouais, imaginons que ou gain une séance, encore une fois, au Sénat de la République, qui pourrait le boycotter par, ouais, bien, les sénateurs de la minorité, et particulièrement le groupe des quatre et alliés, eh bien, le Sahel n'a pas fait honneur, encore une fois, et à gouvernement et au Parlement haïtien, particulièrement au Sénat de la République. Ben, mais c'est retourné dans la séance, dans le sénateur Salomon. Moi, t'as regardé la séance, mais pour le monde qui t'a suivi, il y a vrai que sénateur alors, de la minorité, il a été brandi en question de cumul de fonctions publiques. Et que il a été parlé de ministère qui supposait compléter, c'est-à-dire pour gagner 18 ministères et que tout ministère présent. Maintenant, on a dit que il y a une séance qui gagne pour fixer ya, et que 18 ministères ça yo, tout ministère yo présent et que on a dit à lui-même comme un ministre que sénateur minorité yo dit pap ka entre dans séance là lui-même tout li présent dans séance qui possibilité gain pour que séance là li déroulé. Non mais d'entrée de jeu Bichara Saint-Jean moi dit les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances, c'est ça nous le principe de causalité, c'est-à-dire le principe de cause à effet. Donc on pas besoin un grand philosophe ou bien un grand politologue pour comprendre ça que va le fait là à la plus prochaine séance. Donc c'est là moins d'où que je dis un lien important pour que irritant qui gagne yo, eh bien yo t'ai fait en sorte que contentieux qui gagne yo vidé. Mais si les contentieux ne sont pas vidés, donc je vous garantis formellement que on va avoir le même spectacle côté juin l'autre juin. Et gros précision que me t'aime porter, c'est que ça qui arrive dans le parlement haïtien particulièrement dans le Sénat République là, c'est des bagailles qui vivait dans tous les parlements du monde. Mais à la seule différence, nous pas doué imiter, ouais, bien, et nous capable de dire les mauvaises actions des autres parlementaires ou bien d'autres pays. Donc, ça qui est important aujourd'hui, hein, c'est que faut qu'il y ait un minimum de concertation, un minimum de dialogue. En fait, Bichara, je vais vous dire quelque chose. Même par décence, par exemple, ou qu'il y ait un gouvernement qui a été censuré, renvoyé. Et puis, ou gagne une bonne partie dans le gouvernement ça, que vous reconduit. Donc, il y a l'art et la manière, et je pense que c'est là que le président de la République, là, il fait une grave erreur. C'est vrai qu'il y a les ministères régaliens, tels que, par exemple, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, etc. Mais, au moins, président, faut qu'il comprenne pour gagner raison devant crasse, faut baigner chaque jour. Et c'est de ça que la minorité, particulièrement le groupe des quatre, y a profité pour y brandir ça au brandien. Gardez mon sénateur Salomon. Dans le dernier sondage qui fait, ouais, que l'ensemble de la population y a rangé aux côtés de minorité ça. Sénateur Salomon, gagne deux monde qui évoquait question de précédent. Il y a des monde qui dit que bon, le parlement c'est quand même le droit des précédents qui t'a dû prévaut. On dit que nous fait expérience ça sous gouvernement madame Pierre Louyen, il était voyé l'aller, mais ça pas empêcher que tourner avec Jean-Max Bellerive par exemple. Oui, mais écoutez, il peut pas y avoir de solidarité dans le mal parce que ça aurait les précédents. En tant que juriste, faut qu'on ait, il y a le principe de la hiérarchie des normes. Donc, c'est-à-dire, c'est la loi, voyez bien, qui prévaut. Donc, c'est-à-dire, même quand il y a un précédent, mais cependant, on n'est pas capable de continuer sous le même lancéan. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Moi, je comprends ce que dit un sénateur Salomon, mais alors, là, je ne vais pas aller pour vous, parce que là, ça, ou même, on va te coller. On dit que moins gardé sénateur Yuri la tortue moins gardé beau plan mais moun sa yo était là à l'époque de Jean-Max Bellerive. Alors moi même pas taré mais fait ça nous reler un procès d'intention. Voyez bien et de un collègue sénateur. Oui et, mais il était prêté le flan à lui. Exactement moi retire là il me dit il était prêté le flan à ça comme si jodiant comme si l'autre groupe ta yo même yo capitaliser sur ça donc quelque part ou obligé garder le tout. Et Bichara, malheur à celui pour qui le scandale est arrivé. Malheur à celui par qui le scandale arrive.
Ok. Donc, c'est réponse que m'kabao à de questions que vous posez maintenant. Donc, on dit que, bon, séance là, il est fixé, et j'en ai gardé là, et que messieurs, il est quasi séance là. Donc, ou même qui soit proposé, qui vous fait pour que nous arrivions à gagner séance là. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue. Parce que le président de la République, là, il prône à chaque fois dialogue. Mais il faut que dialogue là, les chita, les basés, sous sincérité. Faut nous yon capable de garder l'autre langer. Or, qui ça nous constate aujourd'hui, hein? C'est que gon jouet coquet cap fait. C'est là que très souvent en Haïti, on veut faire croire que la politique est un jeu de coquin. Mais écoutez, qui moun cap payé pour casser, hein? C'est pas président de la République, là. C'est pas sénateur, yo. Eh bien, c'est pas les membres du gouvernement ou du cabinet ministériel. C'est le gros peuple. Et à chaque fois qu'il y a une crise qui perdurait, le sa situation économique là, les vignes beaucoup plus difficiles. C'est comme si m'dadou ou mettez abcès sous clou. Ou à comprendre aujourd'hui hein, que n'a fonctionné dans l'inconstitutionnalité. Un premier ministre AI qui a liquidé les affaires courantes de manière indéfinie. Président dit la combat de corruption pendant que premier ministre AI a liquidé les affaires courantes, l'argent de l'État a gaspillé par-ci par-là. Il faut comprendre que je dis, hein, jouer coquin cap jouer, tirer contre cap fait plein, il n'est pas bon pour grand peuple. C'est le peuple qui a payé les conséquences. Là. Il faut aujourd'hui près de 95 gourdes pour un dollar américain. On va y arriver, sénateur Donc, Salomon. Donc, c'est extraordinaire, situation qu'on a vu là. Mais et pendant ce temps, pays a les campés là parce que pas un gouvernement. Est-ce que vous pensez que tant les gens faveur nous? Non, mais écoutez, on dit que pays a pas un gouvernement, c'est faux. Il y a un gouvernement, mais un gouvernement inconstitutionnel. Un gouvernement qui a liquidé les affaires courantes. C'est l'âme du là que je dis, hein. Comment président de la République est capable de dire que la combattre la corruption et que, par exemple, lui connaît ça pour lui faire, je dis, hein, pour que séance n'arrive pas faite dans le Sénat République, là. C'est vrai que, je dis, hein, il y a les proches du pouvoir qui sont capables d'accuser la minorité, ouais, bien, au sein du Sénat de la République, que y a l'autre pays, hein, il y a boycotté les efforts, ouais, bien, du président de la République, mais ça nous comprend tout, que je dis, hein, qu'il n'est pas inacceptable. On va dire plus de 8 ministres qui étaient censurés dans un gouvernement. Ouais, bien, un gouvernement qui était révoqué, qui était en motion de censure, et puis je dis, on retourne avec eux, comme qui dirait, on a fait un bon travail. Et bien là-dedans, ou même confié, ouais, bien, d'autres portefeuilles. Donc, Bichara Saint-Jean, c'est là, moins tout, c'est la lâcheté des uns qui engendre et encourage la méchanceté des autres. C'est vrai que je vous dis que les mondes ne sont pas ouais, d'un bon oeil. Cette minorité au sein du Sénat de la République, que ce soit le groupe des cadres et ses alliés, comme Sindalou, c'est des emmerdeurs. Mais écoutez, je vous dis, on ne peut pas accepter que n'importe bagaille a fait, parce que c'est nous-mêmes qui yeux, c'est nous-mêmes qui oreilles, peuple. On est capable de dire, ouais, dans la séance l'autre jour, hein, la dernière séance qu'il y a eu au Sénat de la République, ouais, que le sénateur Salomon, ouais, bien, du haut de la tribune, lui demandait, président Sénat, pour lui quitter momentanément bureau, hein, pour rejoindre collègue Lio dans l'hémicycle, en façon pour le capable de défendre plus bien intérêt payant à intérêt département. Ça me l'a dit. Donc, en termes clairs, sénateur Salomon. Il y a une obligation de réserve et une obligation de modération. Donc, je me suis senti que je n'étais pas confortable en l'air parce que je n'ai pas été soulevé. Et vous avez automatiquement descendu les points de droit ouais, bien, que nous avons soulevé. Et bien, je me suis renforcé minorité hein, pour être capable de faire combat ça. Donc, sénateur Salomon. Un combat juridique, mais un combat politique. Tout à fait. Sénateur Salomon, on dit que, bon, ou même, ou sont juristes, donc tout le monde connaît, ou des commissaires gouvernement, et qui sont ébahis en termes de résultats. On dit que, monsieur, ou même, c'est comme ça, ils ont comporté au CSA, comme si dès que, ils ouais, comme si, vote là, alors, on va arriver dans le côté pour que, ils votent rapport, c'est attitude ça, c'est-à-dire, crasé CSA, Jean, ou crasé là. Est-ce que, ou même, quelque part, ou pas, ouais, ça a posé problème lorsque nous considérons le Sénat républicain comme étant le lieu des débats? Tout à fait. Et je veux être honnête, Bichara Saint-Jean
Mwen ta vle tout auditeur, auditrice kapitan de mwen la, pou yo comprendre. Jodi an, il est vrai que le groupe des quatre et alliés a mené un combat pour faire respecter, on capable dire scrupuleusement la constitution de ce pays, mais en même temps tout, le Sénat de la République ne peut pas être pris en otage par un groupe de sénateurs. C'est un très mauvais précédent. Ça que fait le Sénat de la République là, autant que je sache, si je ne m'abuse, c'est qu'on va réguler déjà. Parce que si qu'on y en là, à chaque fois que mon sénateur besoin fait pas son revendication, et puis il juste prend mégaphone, et puis je dis séance pas faite dans le Sénat, et bien bon, garantie le ça, et au bras le Sénat inexistant. Et c'est vrai, faut que revendication passe, c'est vrai, faut nous défendre l'intérêt peuple, j'en ai même fait dans la minorité, hein, j'en groupe des quatre ans avec Alliés Lyo a fait, mais en même temps tout Sénat pas capable de venir otage. Et c'est là, moi, dit que faut gagner un dialogue sincère qui est initié. Avec le président de la République, là, Chita. Sénateur Salomon. Avec tout le Sénat de la République, là, pour que nous discutions des affaires de ce pays et ouais, comment nous sommes capables de sortir dans un passé que nous ayons. Je vais faire avec le premier parti, ça, sénateur Salomon. Mais étant donné que vous-même, vous faites office de vice-président. Il y a un bureau au Sénat, mais il y a une sanction pour le sénateur qui agit de la sorte. Oui. Règlement intérieur, voyez bien, Sénat, il précise très bien et clairement tout ça qui doit être fait. Mais maintenant, la réalité que nous sommes en train de vivre, elle est tout autre, dans la mesure où il y a la légalité et la réalité. La réalité que nous vivons, c'est que nous avons une minorité qui boycotté à plusieurs reprises en séance, nous capable dit de ratification, j'en serai là. Et puis, combien, c'est que, ils ont toujours annoncé les couleurs. Le ça, règlement intérieur, là, ils viennent avec des sanctions. Maintenant, qui est-ce qui prend le prendre sanction contre les quatre sénateurs et alliés, qui défendent, bon, tant soit peu, des intérêts, je dirais, supérieurs de la nation? Eh bien, le ça, ou pral vin gagner une catastrophe politique ou un tsunami politique qui capable même mettre dans la rue par exemple toute une masse ouais bien de population hein, et bon garantie le ça et bien c'est pas un chambardement total. Donc avant de voir les sanctions, il faut voir d'abord la concertation. La concertation c'est quoi? Faut que nous chita, faut que président de la République là chita, faut que sénateur chita d'abord entre eux parce que bon secret de polichinelle dans mes partages avec nous aujourd'hui. Hein. En dans la République, là, même tout est problème, oui. Les sénateurs n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Alors, c'est ça que fait moins dit, au niveau de Sénat République, là, faut que bureau, il fait en sorte que Sénat corrige Kael, parce que charité bien ordonnée commence pour soi-même. Nous avons Sénat République qui divisé, qui morcelé. C'est vrai que son assemblée politique, mais faut qu'intérêt personnel yo pas passer avant intérêt masse peuple. C'est là que fait, je dis, hein, le bureau, particulièrement le président du Sénat de la République, capable d'initier les démarches pour nous arriver à faire chita tout groupe politique qui gagnait en temps institution noire, pour capable même d'abord, retirer les pendules à l'heure, et puis par la suite, dialogue que nous avons demandé, hein, nous avons fait avec le président de la République, là, le sobral joint tous les secteurs qui impliqués dans la crise, ça, tous les protagonistes, yo chita, yo discuter, et puis pour le bonheur, pour le bien-être du peuple haïtien, nous vivons en tonne. Tout à fait. Maintenant, on regarde, sénateur Salomon, dépréciation Goudla par rapport à Dola. Je veux dire, tout le monde qui a vécu une situation ça, trouvé une situation vraiment difficile parce que quelque part, on a comme l'impression que pas gagné et a des mesures qui envisagées pour que nous plus ou moins arriver stopper d'accord dit phénomène ça. Dès que ou même sénateur Salomon ou regardé que je veux dire à vitesse que dollar il a grimpé, qui ça ou dit tout comme sénateur de la République. Ah, nous très inquiets, nous avons très grande inquiétude, Bichara Saint-Jean. Et ça n'a vu aujourd'hui, ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire pita bralpitrice. Parce que dollar l'a grimpé de façon exponentielle, avec tendance vers la hausse. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire?
et pas gagner des mesures adéquates qui prend pour freiner, pour endiguer ce phénomène-là. Et je dis là, c'est même ministre finance-là qui pas gagner capacité pour lui prendre des mesures drastiques, draconiennes. Et puis c'est même ministre finance-là, je dis, hein, qui va l'assurer la politique financière et économique du pays. De quelque part. Écoutez, Pichara Saint-Jean, comme quoi, gouvernement t'est passé au censuré, hein, qui est là dans des ministres qui se sont révélés incapables, je dis, hein, pour dire que c'est même gouvernement ça reconduit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais équipe ça a été gagné, hein, c'est pour une équipe qui t'a bien joué. C'est même d'où que le président de la République, non, par contre, qui ça qui n'a pas le tête donc, pour si même son problème. Donc, dollars qui a augmenté, je dis, hein, qui a grimpé, disons mieux, qui a pris le large, qui a fallé terrain sous coude, là, on croit que je dis, en fait, on chita. Pour nous réfléchir, pour nous. Est-ce que ça, c'est un phénomène économique ou bien un phénomène politique? Parce que, même quand je suis un économiste, je suis un homme de l'art, mais quel que soit mon nom, il faut comprendre tout bon, je veux être politique, qui a fait. Bon, regardez avec chaque jour, dollars, l'a grimpé. Et tout le monde était bec-éque. Le chef de l'État, qui est le premier citoyen de la nation, qui est le garant de la bonne marche des institutions, lui était, l'a regardé, il a regardé les images du chef de l'État, qui a pris à gauche déployé. L'a regardé, par exemple, des parlementaires qui ne comprennent pas aujourd'hui que nous tous nous menacés. Puis Charles Saint-Jean m'a terminé. À qui parti ça? Pour me dire, même Jean-Dany Laferrière, l'immortel Dany Laferrière, dit-lui, Haïti semblait tête coupée avec un avion qui pral tombé. Et le avion ça a tombé, ni monde qui n'en première classe, ni monde qui n'en classe économique, donc chita derrière, nous toutes n'a péri. C'est ça que nous pas comprendre non. Et le président Jovenel est considéré comme étant le pilote de cet avion. Nous autres, les parlementaires, les sénateurs de la République, nous sommes les copilotes de cet avion. L'avion, ça a tombé. Pilote là, il a dit que le pape mourit. Pilote va mourir. C'est la scène d'où mon peur. Mais inquiet. Parce que je dis, hein, pas de personne là qui a dit à l'aise. Oui, et sénateur Salomon, moi, je suis plusieurs économistes. Hier, moi, parlé avec Emmanuel Adouyon, qui sont économistes. Et moi, entendez, Fritz Jean, lui-même, il aurait de quoi que, bon, c'est vrai que il pose des problèmes de production nationale, mais il aurait de quoi que phénomène pays là, il y a un pile de bagaille pour que lui, ouais, avec des codes goudes là par rapport à dollar. Donc, si n'a pas gardé ça, est-ce que quelque part, obligé ces ministres financiers qui babaient résultat? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Donc, pas quoi je dis, hein? 10 jours, 12 jours, 15 jours, yon pays des fémins, c'est ça qui a expliqué que on a un phénomène, on est capable de dire sans précédent comme ça. Non, c'est pas vrai. Bichara Saint-Jean, vous voulez dire, je dis, un pays n'a pas pilote, que j'ai été loc avant? C'est pas le manifestation dans la rue, non? C'est pas le élève yo pas à l'école, c'est pas le employé l'État pas capable de travail, c'est pas le institution obligée de fermer porte, non? Parce que gagner des manifestations de rue, non, c'est pas ça qui veut dire pays loc. Pays loc, c'est lorsqu'on a un gouvernement qui pas fonctionné, lorsqu'on a par exemple des ministres incapables, qui impuissants. C'est l'organe, un président république, ouais, bien, m'en fout bien, il continue à pas être menti. Parce que l'on veut ou non, le président Jovenel, avec tout respect que m'y a pour lui, m'a pas quoi M. Capan, c'est ses paysans ou bien ses peuples là, pas menti. Et où est-ce qui vivait en carrière, par exemple? Le président de la République, hein, le premier citoyen de la nation, le la palais, ou qu'à comprendre, réaction, ouais, bien, population, hein, par rapport à lui-même. Donc, pour conclure, je ne crois pas que ce phénomène pays loc, à savoir plus de 15 jours, tu as une manifestation, qui fait que je dis un dollar, déjà les terrains sous tout. Non, non, du tout pas. Sauf que les gains pas par le sénateur, et parce que nous perdons des milliards de gouttes pendant le phénomène pays loc, là, parce que tu as un problème de devise, ben, l'argent quand même. Donc, nous avons considéré. Et Bichara Saint-Jean, écoutez, il faut être honnête. On ne peut pas continuer à défendre le diable. Ma bon. Je dis là où il y a un terrorisme d'État. C'est-à-dire le banditisme
est légalisé dans ce pays. Ou bien, par exemple, tout près nous là, douane là qui pas fonctionné, qui fait que je dis en recette, on capable de douanier, yo diminué considérablement ça que la douane te compte percevoir, on capable de dire, non, youjou, c'est lui je dis en la fait dans moi. Maintenant, situation de panique généralisée ça, de terreur qui gagne la saline là, qui monde qui instaure le pays là? Nous voulons dire, c'est le monde qui vient là où il a manifesté. Hein? Nous voulons dire, c'est le groupe des quatre et alliés. Mais non, Zamio joue un homme, mais bandit ça, yo. C'est Zam qui sortit par les nationales. Dans qui année où tu es sorti? Écoutez, sois honnête, sois sérieux. Comme si m'a donné l'impression aujourd'hui, il y a des gens, eh bien, fanatisme, c'est aveugle. Pour comprendre que le pays, là, c'est pas le monde qui est là où yo. Mais c'est bandit, yo, mais Zam, non, mais yo, cap terroriser les populations. Hein? Et puis, il faut un bandit ça, yo. C'est le monde dans le gouvernement. C'est des parlementaires, malheureusement, obligé de dire, eh bien, qui boit des bananes, yo. Mais ça, les pays, là, c'est lorsqu'on gagne un propre État qui rentrait, vous voyez, dans la manigance pour terroriser les populations. Mm-hmm. À nous garder le rapport définitif et coup des contenants, normalement, qui a supposé sortir dans fin mois ça ou bien mois prochain. Est-ce que sénateur Salomon, lui-même, même j'appelle tout le monde, l'attend rapport ça fébrilement? Captain rapport là, tant qu'on est sec, captain la pluie. Et me profiter le moment ça pour m'envoyer un gros coup de chapeau. Bye, Petro Challengers yo. C'est-à-dire jeunes garçons, jeunes femmes qui comprennent que je dis un avenir pays dépend de yo parce que c'est plus que 60% population qui prend initiative pour faire un devoir yo, pour dire que yo pas complice, yo pas chercher compte. Mais il a continué à demander compte et qui supportait cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Parce que je viens d'y en pile manœuvre qu'a fait pour bloquer la publication du rapport final. Vous voyez bien sur l'enquête menée autour de l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Et toute manigance ça, yo, eh bien, nous, ouais, gagné, moun dans l'État, qu'a fait manœuvre ça, yo. Et nous, aujourd'hui, il y a monde qui continue à tomber, soit par balle et autres, pour capable tout faire dossier ça. Et c'est là, moi, je dis que, n'abtenons pas rapport là. Heureusement, nous avons encore dans ce pays des hommes et des femmes du caractère qui prêts pour braver les dangers, pour au moins nous capables de quitter une bagaille pour l'histoire, pour les générations futures. Je suis là pour une raison bien simple, sénateur Salomon, parce que le dossier est pendant devant la justice. Même dès que le dossier est pendant devant la justice, je vais éviter de faire des commentaires pour que je ne vais pas essayer d'influencer la décision. Maintenant, en nous regardant les questions de l'élection, sénateur Salomon, deuxième lundi mois de janvier, où il y a une chambre de députés qui supposait aller, où il y a un tiers sénat qui est supposé aller. Et jusqu'à date, et on a comme l'impression que par rapport à la situation socio-politique que nous avons là, où tu as semblé sentir que y a un petit problème pour que l'élection soit organisée, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas une loi électorale qui votait, même si le projet de loi électorale là est lié devant le Parlement. Est-ce que quelque part, vous pensez que aujourd'hui, nous n'avons qu'à parler de questions d'élection? Je pense que c'est un avion. Une erreur monumentale si on nous dit on t'a dit que eh bien les élections sont possibles en Haïti parce que et si nous considérons l'aspect sécuritaire voyez bien de ce pays là nous considérons par exemple faillite économique je dis hein, que n'a plus vivre là dans le pays hein. Là nous considérons par exemple laxisme. Eh bien, style Manfoumé qui gagne la caille exécutif là, ou pas qu'à parler de l'élection. Et je vais vous dire, Bichara Saint-Jean, d'après tout ça m'apprendre, t'as semblé que le président de la République l'a mette l'en tête li, si pas gagne l'élection, la pi bon pour lui, parce que le ça a, l'ipral fait que constater la caducité, voyez bien, du Parlement. Dirigé par décret. Et puis, ça va le permettre que lui dirige par décret. Mm-hmm. Et me pensais que là, président, bien compté, mal calculé, si vraiment, si et seulement, s'il t'a gagné ça en tête,
Parce que, Bichara, c'est vrai qu'en Haïti, nous faisons de politique là où je veux être coquin. Mais écoutez, des mon n'y mon. Parce que, il y a des gens qui pensent que c'est seul qui a l'esprit dans le pays. Et ça, c'est moins dit que je dis, hein, l'important pour menacer qui planait sous tête parlement, faut que députés qui jusqu'à présent en fonction, sénateurs qui jusqu'à présent en fonction, ils comprennent que je dis, hein, les Allemands sont à deux pas de Moscou. Faut qu'ils fassent en sorte que, eh bien, ils fassent en sorte qu'ils exercent pression sur l'exécutif. Un, qui tarde à soumettre au Parlement ça ne relie loi électorale là. Pour qui ça exécutif après tout temps ça la convocation la convocation c'est la de Salomon président de la République là gagne des têtes lui la convocation question ouais bien que nous sommes disons bien nous sommes occupés de nous poser c'est la de Salomon président de la République là il est très prudent pour comprendre que je dis hein, quel que soit ça qui arrive dans le pays hein, là bien ça que nous relie un effet domino. Effet domino, ça veut dire que tout le monde ouais bien capable de payer les conséquences. Là. Oui, alors moi, t'as dit que dans la convocation extraordinaire qui gagne pour la Chambre des députés, il y a même eu le statut sur le projet de loi électorale. Là. Maintenant, qui ça nous a fait pour que nous évitions la situation pour un peu le monde qui a venu là, parce que si il y a une élection que l'on veut ou non, le Parlement libéral caduc, quand on voit le dysfonctionnel, laisse ça avoir été 19 sénateurs. Et au niveau du Sénat, mais Chambre des députés a lui-même libre aller. Qui sont capables de faire pour que nous évitions cette situation? Je pense que c'est important pour que, encore une fois, yon ak l'autre chita pour nous dialoguer. Pour yon garder l'autre en face, pour nous dire que jodi an, Haïti c'est maman non, Haïti a péri. Nous tous, nous c'est petit Haïti, nous pas qu'à quitter Haïti, péri, j'en a péri. Hein. Parce que très souvent en Haïti, qui ça nous dit, le mal de ce pays, c'est l'international. Le grand mal de ce pays, c'est l'étranger. Mais c'est faux. Le grand mal d'Haïti, c'est nous autres, les Haïtiens. Et je crois que c'est ça. Si nous parlons avec une conscience, ça, pour nous transcender, nous, je pense que je dis, hein, c'est un pays qui peut aller de mal en pis. Le président de la République n'est pas capable de mettre en tête lui, que la caducité du Parlement sera son affaire. Dans la mesure où, là, ça, il est capable de venir maître et seigneur. Mais attention, c'est bien compté, mal calculé, car le politicien est roi jusqu'à ce que le peuple décide. Mm-hmm. Et je dis là, ma foi qu'on aime Bichara Saint-Jean. Ou pas le peuple là dans la rue, ils ont annoncé manifestation, ou qui a l'impression que Mounio pas intéressé pour la rue, hein. Et là, il y a des proches du pouvoir qui disent, bon, peuple a compris, je vais être capable, hein, et que pour peuple, eh bien, lui, en faveur, gouvernement, c'est faux. Qui ça frise et fait pour coucou pour le petit pour le friser? Comme quoi je dis là pour mon dîme que peuple, li content, Jean, président de la République, la mène pas paysan, c'est pas vrai. Mm-hmm. Je dis à nous, mon peuple a dormi. C'est ça, nous relais un baril de poudre. Le peuple haïtien aujourd'hui est comme un éléphant qui sommeille. Son éléphant qui a dormi. Et l'éléphant a dormi, il est réveillé, il a fait un pile de galant forêt. C'est ça un peu, ah oui. Mm-hmm. C'est ce que nous appelons un tsunami politique. Mm-hmm. Ni moi-même, ni nous-mêmes. Et tout l'autre monde qui est dans le pays, nous capables victimes. Voilà. Il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience généralisée, particulièrement au niveau du Parlement, au niveau du Sénat de la République, dont je suis le vice-président. C'est à partir de là que chaque monde a la responsabilité devant la nation, face à la nation. Et on peut aller avec le pays, hein, plus ou moins, dire aller en souffle. Oui, tout pendant, il était intéressant que non plus ou moins statué sur le projet de loi électorale. Merci infiniment, sénateur Salomon, parce que tu es tout disponible pour nous matin. C'est moi pour remercier Bichara Saint-Jean. Mm-hmm. Merci infiniment, sénateur Salomon. Au revoir, au revoir. D'accord. Donc, c'était avec sénateur Salomon. Et matin, on a décidé. Regardez l'actualité politique là. Alors, je vais vous faire, mais avant de vous faire, quitter le cabinet ministériel là, très rapidement. Gagnant le citoyen Bouchy Tedmon, qui nous met ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Le citoyen Ronald Gré, décembre, est nommé ministre de l'Économie et des Finances. Le citoyen Jean-Roudy Ali est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
Le citoyen Fritz Caillot est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. La citoyenne Marie Greta Roy Clément est nommée ministre de la Santé publique et de la Population. Le citoyen Jean-Michel Lapin est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Audin Fils Bernadel est nommé ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Le citoyen Jonas Koufi est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen Félito Doran est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Marie Ghislaine Montpremier est nommée ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes. Le citoyen Pierre-Josué Agénor Cadet est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle. La citoyenne Marie-Élise Fini-Castillon est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Pétrix Justin est nommé ministre de l'Environnement. Le citoyen Jude Pierre-Michel Lafontaine est nommé ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Fritz William Michel est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Ronald Girard Demisor est nommé ministre de la Défense. Le citoyen Pierre Lagrenade est nommé ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Guy-André Junior François est nommé ministre du Tourisme. Bon, moi, je vais faire trois commentaires sur le cabinet ministériel là, parce que moi-même, je te connais que le cabinet ministériel là, il est égal comme ça, parce que moi, mais ça m'a dit pour que moi referme. Nous, à chaque fois, par exemple, dans le pays, nous comportons comme si nous avions dit les bails là bon pour nous. Nous fermons les yeux, nous faisons. Puis devant, nous retourner dans la figure, nous frapper dans la figure. Et comme si, moi, pas de problème avec des sénateurs, par exemple, qui dit que bon non pas qu'à prendre précédent qui est passé on me dit hey pour nous fouler au pied constitution mais nous t'ai prêté le flanc à ça comme si l'aile bon pour un groupe sénateur yo d'accord yo fait mes yeux sous lui mais koul ban intérêt comme si hey comme si négatif étant c'est lui même qui a défendre constitution pays a au de très souvent c'est nous mêmes qui piétiner constitution nous faire sous Jean-Max Bellerive. L'été dans l'intérêt, nous quittons le passé. Sous la mort, nous quittons le passé. Donc, je dis, tout le monde est en train de péter les plombs. Moi, je pense que je dis, nous sommes obligés de garder la situation tête frette pour que nous dialoguer, pour que nous garder qui est capable de faire. Parce que le pays n'a pas fonctionné là. Hein, parce que aussi longtemps que pas un gouvernement, donc, par une décision capable de prendre pour que nous soulager et misère population pour que il y ait de grandes décisions qui prend moi-même je souhaitais que gagne décision qui prend pour que nous poser problème parce que moun nous va continuer retenir parce que obligé gon gouvernement moi-même je souhaite dire ça au sénateur Salomon moi-même bah comprendre comment que au niveau sénat nous dit sénat c'est l'Assemblée des 16, Sénat, c'est au lieu quand même du débat. Quand on fait au niveau Sénat, on ne peut pas préconiser le débat. On me dit, si chaque monde qui vient, par exemple, lègue un gouvernement pour ratifier, chaque monde vient, il y a crasé séance, mais l'elle va bon pour l'autre, même pas la welfare. Là, ça va tomber dans une situation de deux ordres d'amplifier. Aussi simple que ça. Demain, on va parler avec le docteur Réginald Boulos. Il y a des questions que j'ai bien aimé et regardé avec le docteur Réginald Boulos, notamment question troisième voie. Moi-même, j'ai des questions vraiment me souhaiter poser à docteur Réginald Boulos. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission Reconstruction pour matin. Merci à Juno qui t'a assuré mes en. Mon nom est Bichara Saint-Jean. N'a pas croisé demain pour l'autre émission.
patje ou ap mache sou baton. Sou ap krasé, divisé, fouleye. Yon pè innocent ki de bras penché. Son jégué yon jégué ap gade.
chaque matin 11h, chaque soir 8h, sorti lundi pour arriver vendredi, vin tande yon l'autre parole sur Radio Caramel. Reconstruction. Ça qui paraît là, c'est pas ça lié vrai. On a les plus profonds. Reconstruction.